acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. De suivre Contact Pro Live. Nous sommes encore ravis une fois de plus de nous retrouver devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons encore parler de l'état de siège qui bat des ailes à l'est de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans le savoir quand je vous disais que Likambo et Bandi Mabe Mokonzi Azakoyo que la base T. Base n'a été, mais le peuple qui est en train d'être meurtri, tout haut, tout ça, mokonzi alingi koyoka, makambouana te. Azana bakano na e, azana bakano na e, place oyo azwaka ba information, alingi koyoka oyo peuple azako si géré te comme information et puis comme solution. Bandeko, nous acheminons vers le deuxième mois, il y a état de siège Oyo. Mais quels sont les résultats? Toza komo na kaka elo komo ko ezate. Gouverneur Oya militaire à Goma, yanani ya Nord Kivu, olia ken de place ba massacre zali, ya zo kotika la kana Goma. Président Ewana alongwe na Goma, akoma ki akimai sur Mozambique. Donc, kolongwana na Mozambique, je crois qu'il va rentrer à Kinshasa. Et puis l'histoire de l'Est va rester encore enveilleuse kakane mwana. Asi a lobby, ye moko ke mafia eza na kati armée. Ça ce n'est pas une nouveauté pour nous. Eza nouveauté te pour nous. Alors aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler. Quelles sont les solutions? Nous allons encore rappeler bande konabiso ke solution eza nini na makambo ya Est. Nous allons en développer aujourd'hui encore dans cette émission parce que Likambo tokotika yango te, soki tolobeli yango te, Kinshasa bako leka na bango na ba discussion na bango ya ba mituka ya ba mbongo et puis heureusement que aujourd'hui ce que nous parlons commence un peu à arriver aux oreilles des gens qui commencent à nous dire que non bolobaka Likambo oyo. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élections.net. État de siège, un grand réseau de bandits à main armée démantelé à Beni. Ituri, découverte macabre d'une vingtaine de corps sans vie à Boga. Actualité.cd. RDC, à son tour, le Sénat adopte le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
La cohésion nationale est mise à mal, particulièrement dans la justice, et exploitée par, pour écarter les concurrents politiques. Ça, c'est Senko qui conclut. Nous allons sur Congo profond. RDC, la Senko demande à Tshisekedi de poursuivre véritablement la lutte contre la corruption et l'impunité. Et puis Santos Mutubile, fausse rumeur sur le décès de l'ancien capitaine de Léopard. Tshisekedi s'est installé au Nord Kivu pendant un moment. Tina Salama, porte-parole. 7 sur 7. Ituri, les ADF relâchent les otages à Boga après une offensive de FARDC. Et puis Kinshasa, Godin Poi traduit le député provincial Magloire Kabemba en justice. On termine sur, avec Radio Okapi, le député Moude Kereza propose de réhabiliter et construire les aéroports, ports et chemins de fer. Et puis, Nord Kivu toujours, la société civile craint pour la vie de certains civils pris en otage par le ZADF. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Tout en allant au moins titre Oyo pour tout introduire l'émission Nabiso, à Walobi, Ituri, quelques officiers supérieurs soupçonnés de pratiques mafieuses. Tokena Nord Kivu, une position FARDC attaquée par des miliciens FDLR à Rutshuru. Ituri, trois officiers arrêtés pour avoir baigné dans des magouilles. Bandeko. Ça, c'est l'armée, c'est notre armée. Armée Oyobiso nyoso tolati ba tricot, tolati ba polo, tolobi toza ko support armée na biso. Bango moko ba komi kokangama. Mais ça, ce n'est pas ça qui va terminer la guerre là-bas, ce n'est pas ça qui va terminer la tuerie. Là, on ne se focalise que sur les conséquences, mais les causes de cette histoire-là ne sont pas attaquées. Ba cause na biso, je crois que état de siège Oyo et keko. Nous avions dit que les tireurs de ficelles, il y a état de siège Bazala Kanabango na Kinshasa. Et lorsque nous crions ça, personne ne nous écoutait. Moutoute bande koloba, ah te Kinshasa n'yenin. Petit à petit, on a commencé à attaquer même les députés. Oh non, bah député bino bozaba tu ayananya. Ce qui manque d'argument, hier j'étais vraiment très froissé par un cadre de l'IDPS pour Aza Koloba que non. Et ça, jalousie, bah, toi, yo, que la Mokonzi, bah, toi, na ba politicien, bah, le moi, na ba groupes armés. Et ça, bah, politicien, tu vas à Koloko, ça, la ba groupes armés, voilà, c'est un cadre de l'IDPS. Je ne sais pas si maintenant, les lots, tous en a un stade à quoi. Yako se défa ou bien yako ça la politique à balabala. Lorsque nous commençons à réfléchir, lorsque nous nous mettons à réfléchir en nous disant que réfléchissons pour que biloko aussi là bokomi koloba no bino bozwa kambongo ba biloko wana bosala kanini ba konta bozala na mbongo belé. En même temps, c'est le même député qui est en train de dire que non ezana bato bazo utana Ituri kuna bazaba député awa na Kinshasa batambola kana ba moto. Non, vous savez, vous allez voir que dans Kinshasa, même dans notre parti, il y a Ozana pouvoir. Ezamawa. Et c'est là où Ezako étalé par insuffisance na bango, Oyo va quitter copé sa solution na ba problème à Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout aux alentours des gens qui veulent acquérir le pouvoir, vous allez vous défendre. Non, ce n'est pas le président de la République. Oh, Gero et Bandakala. Oh, Gero, Tshisekedi Akutaka Yango. Est-ce que tant que Tshisekedi Azoya na pouvoir, n'est-ce pas qu'il est en train de répéter qu'il mourira pour Akokufa Pona Pesa na Est? N'est-ce pas qu'il est en train de dire que Mandana est Oye Koechoué Soki Pesongi na Est? Mais je crois que les cadres maintenant de l'UDPS sont en train de nous distraire en commençant à nous donner des explications. Oh non, oh Obama, lui-même a sait. Est-ce que c'est aujourd'hui que vraiment lui-même saura qu'il y aura la mafia? Pendant que tous les jours, il y a des rapports, il y a des gens qui parlent et on crie que armée Oyo, et ça, armée Moutouza, perpétuer un massacre côté Kuna. Nous avons donné une piste de solution, mais Balingi Koyo Kayangote, mon consignini Oyo,
Alinga koyo kata solution à peuple te. Si vous savez que vous n'êtes pas informé, ralliez-vous, n'est-ce pas que la solution à peuple. Ezamawa, et puis ça nous fait la honte. Ezamawa, depuis nous disons, na ali roto za kokende, c'est pour cela. Batu oyo babazaki ko kamba mokonzi na biso parce que nga nazo epsa na bi mais nazo lo baké le président est maintenant prisonnier de tous ces gens là qui lui dictent les chemins à suivre et lui-même ne sait plus quoi faire parce que en découvrant les vérités qui ne parvient pas bon nous lui donnons peut-être un maximum de doute en disant que bazako pese ba information mabé est-ce que un président pourrait-il qu'on lui donne les informations de mensonges. Dans quel intérêt est-ce qu'on peut donner au président de la République Baliverne? Qu'est-ce qui se passe? Mon attendu oyo qui que non batoye bisyo que awa makamboza boy awa makamboza boy. Mais vous êtes en train de prendre des décisions contraires. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mains libres. Et c'est ça qu'il faut accepter. Sans cause à maboko et alliés, donc vous allez continuer la tricherie. La tricherie appelle la tricherie. Tricherie yebenga, tricherie mosusu ti mboka ekobeba mboka ekote le maté. Nous aujourd'hui nous sommes prêts à nous dire que si le président peut déclarer cantonnement yaba militaire kaka yaba phase pour que totala nini yango ba nguna baza wapi baza koloba o ba okipe ba village oyo ba village msusa zala ça tout ça c'est faux archi faux ba militaire baza combien kuna il paraît que il n'y a que 7500 militaires na Nord Kivu mobimba sur le 21000 militaires o baloba batinda kuna voilà les choses que vous-même vous commencez à dire pendant que nous le disions il y a longtemps, Nathan Oubaloba qui est bakoti na 21000 hommes kuna. Je vous avais dit, na ebisa kabino na lobi nos sources à Goma, nos sources à Butembo, nos sources à Beni, n'ont jamais vu un cargo ou bien ba mituka o etondi na ba militaire baza kokende ko déployer kuna. Bazalate. Cet état de siège c'est vraiment quelque chose qui était encore une source naba officier oyo ba rançonner l'état parce que l'état ne peut pas le contrôler l'état ko ki koyebisa bango ate eloko moko te donc ezalaki source moko pona bango ba s'enrichir c'était une source pour que eux s'enrichissent et c'est vrai et tozo constaté ba preuve ezali que non pro officier nyo sotango banoma kae balobe akena est et sili abiki vina e changé bon, il y a trop de témoignages qu'on ne peut pas revenir là-dessus mais le président bato bazana présidence baboy koyoka babilo kwana balingi oyo chemin na bango oyo eza dicté na bango par la communauté internationale parce que communauté internationale n'aime tout ezako protéger pouvoir na bango ils sont là pour le pouvoir donc biloko nyonso obto ko kende na ngoti na 2023 soki ba sali sur so d'orgueil te akolobate kito cette vision ya koloba mboka na biso ezo kende na nzela malamu mes chers amis on ne peut pas investir là où il y a la guerre. Ataba lubaka ndeni. Banani yango bakotambola na nzela oyo eza kouta Kampala ti Beni.
nzela wana mopimba bato bazalaka na bilanga susute. Ça va profiter à qui au Congolais? Et ko profiter kaka ba Congolais ba kendaka ko somba biloko na Uganda ba ekoteka na biso parce que na bazamba na biso tolona ka lisusu loko mo côté. C'est ça justement le nœud du problème que le président devrait se dire que non. Mbatu o baza ko pesa nga ba information, il faudrait que natala makambo wana de près pour que na balusa makambo oyo. Au lieu que boza ko funda na o batu o ba iba kambongo ba sala ka boye. Bino nyoso bo lati ba tri ba t-shirt ya ba soda ba armée na biso na ngo ezo ko kate. Nani anzana soni sikoyo. Peut-être que je suis un peu tôt. Je parlais un peu tôt. Nani anguaza na soni sikoyo za koloba noto za ko supporter mapinga. Mbongo ango ko lia makaka kaboye. Pourquoi? Parce que contrôle moko ezate. Ces gens-là ont laissé le pays comme ça. Tshisekedi akende na front kendo bunda. Akende na front, akende ko bunda. Maman Denise, là tu as besoin mon look qui kende ko bunda. Parce que ça binonde mtu boza ko lia mbongo. Eza mawa bandi ko nangai. Eza mawa. Alors, qu'est-ce que nous avons dit comme solution? Solution eza nini? Toloba ka liboso boye. Tolobi eza ça ne sert à rien d'aller dans un état d'urgence avec les mêmes militaires qui sont là. Nous avons dit, il faudrait se sacrifier. Président de la République, Soka Linga Long et Tumba Oyo, a sacrifié les militaires, cantonné dans nous tous les soldats, créé la milice de proximité Oyo Kosala et Kenge, pendant que vous êtes en train d'identifier les forces de l'ordre, les forces armées, donc les militaires, les policiers. Vous les identifiez, vous les armez, bon, pessi bangwata moral pour 3 jours. Vous les affectez normalement auprès des administrateurs de territoire. Bah, commandement na bangwe ou bandako outa, na katia ba territoire. Et outa ka Kinshasa li sou souté. Mais aujourd'hui, ce n'est que. Ils ont semblant au batouaza kosala. Que nos commandements, ils ont nanani, ils ont awa baza, ils ont délocalisé, ils ont Kinshasa, ça c'est faux. Il y a quelques temps, je ne sais pas si c'était un fake news, on a dit qu'on a arrêté le chef d'état-major Mbala, je ne sais pas si c'est vrai, mais. Bah, officier militaire Oyo Bazwa Kambongo, est-ce qu'on les a déjà contrôlés? Donc, la solution, c'est ça le premier point. Cantonner tous les militaires na ba soldats na biso ba ko boma biso te monguna zam de ko na biso ko de ko aboma nani te aboma civil te aboma akaba militaire bango na bango. Mais ceux qui bolongoli ba militaire wana na terrain onyo so tweza ka ba stratégie militaire bandeko. Mais ba stratégie militaire oyo ko kiko salema na batu oyo moko baza ba, le sapeur pompier donc eza bango mtu baza ko tia ba tuerie bango moko ba ko appliquer stratégie militaire exacte. C'est pour cela nous nous sommes dit peut-être défense moko extérieure spécifiée comme enani Artemis oyo ezalaka na Bunia et il y a ba cantonné ba soldats nyonso tout ba congolais nyonso tout ba cantonné bango batie ba force ya ba mindelo bien peut-être ba arabe ba kengela pendant ce temps la deuxième option est ko kanga ba frontière. Il faut qu'on ferme les frontières ne fût-ce que pendant 3 mois ou bien 1 mois. De 1 à 3 mois, pendant ce temps-là, on est en train de faire le clean-up ya ba minduki oye bombami na kati ya bandako ya batu. Que ces mesures-là soient accompagnées par une identification de la population. C'est-à-dire que, à ce moment-là, batu frontière et kangami, batu sikoyo, bakena administration à territoire, bakomi ko s'identifier, bapesa bango, bakarte d'identité, pour que, ba soldat tango bakoya, baye bako distingue monguna za nani, nani angwa za nani.
C'est difficile aujourd'hui, pendant que le mouvement est au Salema. Et tout ça, on est en train d'embrouiller le président de la République. Bah, ça, qu'on se fait croire que non, état de siège, même à temps, et puis vous allez voir ce même gouverneur militaire, au lieu de venir de s'occuper de la sécurité, bah, comme il y a de Kolanda, bah, Makambambongo. Moi, je crois que ces gens-là devront être aussi arrêtés. Ce n'était pas leur mission de venir dire aux opérateurs des économiques de commencer à payer. Pendant que les gens sont en train de tuer, ils sont en insécurité. Bah, tout le monde ko sala musala kuneza ko sala musala moko ya risque. Ils sont en train de risquer leur vie. C'est pour cela. Oh, ce que vous avez dit, c'est que non, vous oh, bon foutez, vous bon foutez, vous foutez, vous foutez. C'est ça le grand problème que nous avons au Congo aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous ai donné tout simplement les trois axes-là. Cantonnement et la militaire, oh, basali, bah, identifier, bango, fermeture à frontière, bah, frontière, nabiso, bah, kangiango pendant trois mois, et puis que, bah, tout va passer la mosaka, penza, ya koluka, na ba territoire, na ba ville, na ba village, bah, tout, oh, basa, na ba minouki, bah, ya kopimisa, ba minouki, na bango. Mouvement ya bava et vieux wana esuka. Pendant ce temps-là, nous n'oublions pas que la MONUSCO doit absolument partir sans condition. Voilà le terme. Oyo, population et souscriba qui peut baïr ça, chef de l'État. Mais le chef de l'État ne veut pas entendre. Le chef de l'État fait les sourds d'oreilles, mais parce qu'il sait là où il est en train de tirer son pouvoir. Il est là pour le pouvoir. Tout simplement à tricher Penacad en 2023 parce que l'Est ne sera pas en paix avec la lire où nous sommes en train d'aller avec cet état d'urgence. Je vais m'arrêter là en espérant que vous allez vous abonner encore nombreux. Bandeko, bon s'abonner, partagez ma émission, bisous, tiens, ma like et au paix ça bien. On se revoit demain dans un nouveau numéro suite. Il y a Eloko Otozolo Balialelo. Merci, ne manquez pas.